Jen? Est-ce qu'on ne commencerait pas? Ça va? Chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chante sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser, c'est un peu fou, je sais. Ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Bonsoir et bienvenue avec nous pour cette louange ce soir. On est très heureux de vous retrouver, on est très heureux de passer ce temps avec vous ce soir. Alors j'espère que vous êtes bien installés. Je vous propose de prendre soin de votre cadre ce soir. Vous pouvez allumer des bougies, vous pouvez tamiser la lumière, vous pouvez mettre des coussins autour de vous, vous pouvez vous mettre en chaussettes si ça vous aide. Le but ce soir, c'est que vous soyez à l'aise. Nous allons entrer dans la louange ensemble. Vous allez voir, on y entre doucement et on y reste longtemps. Ça nous fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Alors, que tu aies eu le temps de prier aujourd'hui ou cette semaine ou pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés de partout pour accueillir la présence du Seigneur chez nous, en nous. Alors, je vous propose pour commencer ensemble cette louange que vous puissiez taper, pour ceux qui regardent depuis YouTube, dans le live chat, d'où vous venez. Voilà, dites-nous de quelle ville vous regardez, de quelle région, dites-nous si vous allez bien. Et pendant toute la soirée de louange, vous pouvez nous partager vos sujets d'intercession, les paroles et les images que vous recevez, simplement nous dire qui vous êtes et la grâce que vous attendez du Seigneur. On va prier ensemble, on va écouter le Seigneur ensemble. Alors soyez les bienvenus. Ce soir, on est très heureux au nom de la communauté du Chemin Neuf à vous accueillir tous de partout pour goûter à la présence du Seigneur. Bienvenue aussi à ceux de l'abbaye d'Hautecombe qui nous regardent à HDS. Bienvenue à tous. Entrons dans la présence du Seigneur.
Je sais qui m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Je sais qui m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. 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 Mon rédempteur. Oui, Seigneur, ce soir, j'ai envie de rendre grâce pour ce que tu fais dans ma vie. Rendre grâce pour cette joie que je reçois malgré ce temps un peu étrange, malgré ce temps coincé à la maison. J'ai envie de rendre grâce pour toutes ces choses belles que tu mets dans ma vie quand même, malgré tout. Béni soit ton nom, au lieu de bénédiction, où s'écoule ta providence. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux. Ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur,
tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni, Seigneur. Ce soir, nous voulons te bénir. Nous voulons simplement proclamer que ton nom, c'est ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous voulons dire que ton nom est béni parce que ton amour est là auprès de nous. Seigneur, merci parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais nos familles, tu connais chacune des réalités dans lesquelles nous sommes maintenant. Et Seigneur, tu viens nous visiter. Ce soir, tu viens prendre du temps avec nous pour rencontrer notre cœur, nous visiter au plus profond de nous. Seigneur, sois le bienvenu ce soir. Sois le bienvenu chez nous. Sois le bienvenu chez moi. Sois le bienvenu en moi. Sois béni, Seigneur, parce que ta présence me transforme et me fait du bien. Seigneur, ce soir, je veux te remettre tous mes soucis, tout ce qui me prend la tête, tout ce qui vient encombrer mon cœur, tout ce qui m'empêche de te louer, d'être disponible pleinement à cette louange. Je veux vraiment profiter de cette soirée pour me décentrer de tout ce qui m'éloigne de toi. Je veux que tu prennes avec toi, au pied de ta croix, tous les soucis qui m'encombrent, toutes mes incapacités. Seigneur, je te les remets. Je veux vraiment ouvrir mon cœur pleinement pour accueillir cet amour que tu veux me donner, cet amour dont tu veux me combler, cette paix. Seigneur, ce soir, je veux vraiment louer ton nom, dire à quel point tu es grand. Je voudrais dire à quel point tu fais des miracles dans ma vie, à quel point ta présence change tout. Parce qu'avec toi, tout est transformé, tout est bouleversé. Tu mets la lumière dans les ténèbres, tu mets la lumière dans le chaos. Je veux vraiment chanter ton nom. Qui est semblable, lion à l'agneau, assis. Lion à l'agneau assis sur le trône.
océan rugit devant le Seigneur, qui est semblable au lion, à l'agneau assis sur le trône. Simplement entrer doucement dans la présence de Dieu. Tu peux fermer les yeux, tu peux ouvrir les mains et surtout ouvrir ton cœur. Ouvre simplement ton cœur ce soir pour dire à Dieu: me voici. Toi, le Dieu qui a créé la terre et le ciel, toi, le Dieu qui est venu sauver les hommes, toi, le Dieu qui est tout amour, tu t'intéresses à moi ce soir. Me voici, ô Dieu. Me voici, Seigneur, pour chanter ton amour, pour accueillir cet amour. Viens, Seigneur, transformer nos maisons, transformer nos vies par ta présence ce soir. Vers toi.
semblable au lion, à l'agneau assis sur on s'incline, l'océan rugit. Jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Seigneur, merci de nous rassembler pour te louer. Seigneur, merci parce qu'avec toi, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Seigneur, merci, il y a une trentaine de villes en France qui nous regardent. Merci pour ces personnes qui viennent de cette trentaine de villes. Merci pour tous ces pays du monde aussi qui louent avec nous. Merci pour toutes les personnes qui sont en Espagne, en Lettonie, en Suisse, aux Pays-Bas, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, en Belgique, en Pologne. Merci Seigneur de nous rassembler de tout le pays, de nous rassembler du monde entier pour unir nos voix, pour unir nos cœurs. Seigneur, toi aussi viens nous chercher, de ton royaume viens nous visiter, Seigneur. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne, que ta gloire descende, que ta gloire descende, que ton règne vienne,
ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs, qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs, qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs, qu'une nuée couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs, qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Ce soir, nous pouvons prier pour le monde entier. Ce soir, nous sommes un monastère invisible, mais ô combien réel. Nous sommes un monastère invisible, mais dont la force de la prière peut changer ce monde. Ensemble, où que nous soyons, nous pouvons prier pour ce monde. Seigneur, nous te confions toutes les personnes malades. Nous te confions toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux et celles qui travaillent dans ces hôpitaux. Seigneur, viens nous accompagner de ta grâce pour obtenir la guérison, pour obtenir la paix. Seigneur, c'est toi qui apportes la meilleure solution pour ce monde. Nous te confions tous ceux qui ont besoin de toi en ce moment particulier. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les communautés religieuses, tous les groupes de prière qui nous regardent et qui prient avec nous. Seigneur, merci d'unir ton Église. Merci Seigneur de nous rassembler entre frères et sœurs de tant de pays, de tant de confessions, de tant de communautés pour chanter ton amour. Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes dans le monde qui ont soif de te connaître. Pour toutes les personnes qui sont confinées, pour qui ce temps est difficile, spécialement Seigneur, que ta gloire descende, que ton règne vienne. Viens Seigneur, effacer maintenant toute solitude. Viens Seigneur, maintenant chasser toute peur et toute crainte, car ton amour chasse les ténèbres. Ton amour nous rend la vie. Seigneur, que ton règne vienne maintenant au milieu de nous. Peu là où tu es, prier à haute voix, en particulier si vous êtes à plusieurs, entre amis ou en famille, n'hésitez pas à prier à haute voix, à intercéder pour votre famille, pour vos voisins, à louer pour ce monde. Tu peux prier dans ton cœur, tu peux murmurer. Sois sûr que ce soir Dieu entend ta prière. Ce soir Dieu veut te rejoindre. Sois béni Seigneur pour ton règne présent.
qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Bonsoir et bienvenue encore à tous ceux qui prient avec nous. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints au cours de cette soirée, qui est une soirée de louange où on invite la présence de Dieu au milieu de nous. Alors voilà, je n'ai pas pu citer toutes ces villes de France desquelles vous venez, mais il y a plus d'une trentaine de villes. C'est impressionnant, une dizaine de pays dans le monde. Vraiment, mes seigneurs soient bénis pour tous ces pays rassemblés. Et même, on sait que chez vous, vous êtes de plein de nationalités différentes, dans les communautés religieuses, dans les maisons, dans les familles. Donc Dieu nous rassemble, Dieu nous unit pour le louer. Ce soir, j'avais envie de te dire un message après ces quelques jours et plusieurs semaines de confinement. Tu n'es pas une poule. Non, tu n'es pas une poule. Voilà, ça fait plusieurs jours maintenant que nous sommes enfermés. Alors peut-être certains dans des grandes maisons, mais peut-être pour beaucoup d'entre nous dans des petits appartements, on n'a pas beaucoup d'espace. Et le risque, c'est que tu crois que tu es défini par l'espace que tu as autour de toi. Le risque dans ce temps de confinement, c'est que tu penses que ton identité dépend un peu de l'espace de ta maison, de la décoration de ta chambre, en fait de ton quotidien un peu enfermé. Mais tu n'es pas une poule. Parce que les poules, c'est peut-être celles qui sont enfermées dans leur poulailler et qui n'ont pas d'autre chose à faire dans la basse-cour que de chercher du grain. Alors, j'ai avec moi du maïs. Ce maïs, j'ai testé pour toi. Il est croquant. Il est bien croquant sous la dent. Ce maïs, si je le sème là, comme ça, il ne va pas pousser sur la moquette de cette chapelle, malheureusement. Ce maïs, si je le mange comme ceci, ou si je te l'offre par ton écran, tu ne vas pas pouvoir le digérer. Ce maïs a très peu d'intérêt gustatif et nutritif. Mais pourquoi ? Eh bien, tu vois, ce maïs représente toutes les choses de ta vie et de ton quotidien quand tu les regardes simplement d'un point de vue extérieur, d'un point de vue mondain ou d'un point de vue pessimiste. C'est un peu le quotidien de ce confinement. Bon, ben voilà, c'est tous mes divertissements, c'est tout ce que j'essaye de faire. Un peu tous mes éparpillements. Et en réalité, dans cette soirée de louanges, j'avais envie de t'inviter à ne pas être une poule. C'est-à-dire à ne pas te nourrir d'un quotidien qui croque sous la dent, mais qui peut te casser les dents. Tu sais, ça peut être
toutes ces relations au quotidien qui, au bout d'un moment, se durcissent et puis finalement finissent par casser la relation. Peut-être que après ces quelques jours où on est avec les mêmes personnes ou peut-être tout seul, il y a quelque chose dans notre esprit aussi qui se durcit. Peut-être aussi que c'est notre cœur qui devient comme ce grain de maïs. Il est beau et jaune et brillant de loin, mais en fait, il n'a pas trop d'intérêt gustatif ou nutritif. Le risque pendant ce temps de confinement, c'est que notre cœur se durcisse. C'est que notre cœur devienne dur pour nous-mêmes et pour les autres, et qu'il n'y ait pas grand-chose de bon à prendre. Heureusement, nous sommes ici pour louer ensemble. Et j'espère que là où tu es, tu accueilles pleinement la présence de Dieu auprès de toi. Alors, ce n'est pas le tout de mon objet aujourd'hui. La semaine dernière, on a parlé du boomerang et j'avais dit l'importance de l'aller-retour. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder ton environnement, à regarder ce qui peut changer ton quotidien grâce à l'environnement. Alors j'amène mon deuxième petit objet. Voici. Tu n'es pas une poule. Et ceci peut t'aider à faire la différence, à changer quelque chose. Tu vois, ce maïs, il n'est pas très intéressant. Mais si je le mets dans ce micro-ondes, il va se passer quelque chose d'intéressant. Tu vois, pour moi, ce micro-ondes, c'est le modèle pour notre confinement. Ce micro-ondes, ce n'est pas une boîte comme les autres. On pourrait croire que le micro-ondes, c'est l'exemple même du confinement. Il n'y a pas beaucoup de place. À l'intérieur, ça tourne en rond. Voilà. Mais en réalité, il y a quelque chose de plus dans ce micro-ondes. C'est les ondes. Et les ondes dans ce micro-ondes transforment ce qu'on met à l'intérieur. Peut-être qu'en ce moment, tu as une grande expérience du micro-ondes. J'espère que tu arrives à manger quand même des légumes. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant. Le micro-ondes, c'est une boîte avec pas beaucoup de place, mais il y a des ondes invisibles qui transforment la nourriture. Ce qui est cru devient cuit, ce qui est froid devient chaud, et ça devient souvent meilleur. Eh bien, ce soir, je voulais t'inviter à accueillir aussi quelque chose d'invisible dans ton quotidien qui peut te transformer. En fait, c'est tout simple. C'est assez difficile à utiliser pour moi, le micro-ondes. Je t'explique, c'est un micro-ondes assez particulier et j'ai besoin de Benoît pour la louange. Du coup, je viens de mettre dans ce micro-ondes tout notre quotidien, toutes les choses qui sont trop dures à avaler, qui sont trop sèches à avaler, qui n'ont pas de goût. Et peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas de goût aujourd'hui dans ta vie. Ça peut être dans tes relations, ça peut être dans tes études, dans ton travail. Peut-être même que tu te poses des questions qui n'ont pas de goût, mais que tu les poses quand même. Eh bien, ce micro-ondes, c'est la façon dont tu choisis d'habiter ta vie. En fait, peu importe que tu sois dans un 9 mètres carrés, dans un 20 mètres carrés, dans un 100 mètres carrés, la question c'est quelles sont les ondes à l'intérieur de ton confinement et de ta maison. En fait, ce qui peut changer ta vie, c'est l'atmosphère qui change ta vie. Alors, Benoît, on va faire fonctionner le micro-ondes. Moi, je pose simplement ma main dessus et puis tu nous fais un petit peu de louange comme ça. Voilà. C'est micro-ondes magique, je vous en envoie un quand vous voulez. Oh, viens. Je fais petit réglage. Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous. Stop. Merci, je regarde. Ça n'a pas changé. Je suis désolé. Pourquoi ça n'a pas changé? Je suis victime de quelque chose et peut-être que toi aussi. Souvent, quand je mets quelque chose au micro-ondes, je règle le minuteur sur, par exemple, 3 minutes, mais je suis incapable d'attendre les 3 minutes. À chaque fois, je me dis, ok, je l'ai mis dans le micro-ondes, et puis au bout de 2 minutes à regarder pas grand-chose, je me dis, c'est bon, ça doit être prêt. Et je sors, et en fait, c'est chaud, mais pas vraiment. C'est décongelé, mais pas vraiment. Et dans notre quotidien, le risque, c'est le pas vraiment. Le risque, c'est qu'on ne laisse pas assez notre vie sous le regard de Dieu.
c'est que tu ne laisses pas assez ce qui te préoccupe sous le regard de l'amour de Dieu. Et ce soir, j'avais envie de te dire que peu importe si tu es confiné, peu importe si ta vie te paraît étroite, ce qui change, c'est l'atmosphère dans laquelle tu mets ta vie. Mais n'aie pas peur de prendre du temps. Parfois, on voudrait que ça soit fait en 2 secondes ou en 10 minutes ou en 5 jours. Peut-être des fois, on a besoin de 1 mois ou de 5 ans ou de 10 ans pour que Dieu puisse vraiment nous transformer de l'intérieur. Mais ce n'est pas grave parce que ce qui est génial, c'est que c'est en sa présence. Alors Benoît, on reprend un petit coup. On va prendre le temps maintenant d'inviter le Seigneur dans notre vie. Et maintenant, on va prier. C'est un peu marrant le micro-ondes, mais on va prier pour toi, là où tu es. La communauté du chemin neuf, les frères et sœurs présents, partout dans les maisons, dans les habits de la communauté, on va prier pour vous. Où vous êtes, peu importe dans le monde, on va prier pour que l'atmosphère de Dieu descende, pour que sa gloire descende, pour que son règne vienne, pour que l'atmosphère dans ta vie change. Et que cette atmosphère qui change dans ta vie, elle change ton cœur, elle change ton intelligence, elle change ton quotidien. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous regardent, pour leur famille, pour leurs amis. Seigneur, sois béni. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne connaissent pas ton amour autour de nous et qui attendent de connaître la paix du cœur, qui attendent de connaître la vérité. Seigneur, je te confie toutes nos lassitudes, toutes nos fatigues, toutes ces choses que nous devons répéter, Seigneur, pour que tu les habites de ta présence. Seigneur, si nous ne pouvons pas changer notre quotidien, viens transformer notre regard sur ce quotidien. Seigneur, si nous ne pouvons pas changer ce qui nous entoure, viens changer notre cœur pour que nous les aimions autrement, que nous puissions les aimer comme tu aimes. Seigneur, je crois que ton nom est le nom qui nous sauve. Seigneur, je crois que ton nom est le nom qui guérit. Viens, Seigneur, guérir maintenant ceux qui en ont besoin. Je t'invite là où tu es à fermer les yeux, à ouvrir les mains et à invoquer la présence du Père, invoquer la présence du Saint-Esprit, invoquer la puissance du nom de Jésus. Et tu peux penser peut-être à ces lieux trop durs dans ta vie, peut-être où tu es enfermé. Pense à ces lieux où tu sens que tu ne peux pas te déployer. Seigneur, merci parce que notre identité ne dépend pas de la place que nous avons, mais de la place que nous te laissons. Prends ta place, Seigneur, pour nous transformer. Et tu vois ce qui est assez mystérieux quand tu loues le Seigneur, quand tu invites sa présence. C'est que Dieu transforme. Et quand Dieu transforme, il ne transforme pas du pareil au même. Quand Dieu transforme, il ne fait pas des mathématiques où il prend exactement ce que tu lui donnes pour te donner exactement la même chose. Quand Dieu transforme ta vie, il te donne en abondance. Quand Dieu transforme ta vie, le maïs ne ressemble pas à du maïs. Ce qui était lourd devient léger. Ce qui était dur devient doux. Ce qui n'était pas goûtu devient savoureux. Et Dieu veut transformer ton cœur pour prendre toutes les duretés et en faire de la douceur. Dieu veut prendre ta vie pour en prendre toutes les insipidités et en faire de la saveur. Et Dieu veut prendre toutes tes petites choses pour en faire de l'abondance. Alors ce soir, tu peux te réjouir car Dieu veut t'inviter à prendre cette abondance. Dieu veut t'inviter à cette transformation. Tu peux là où tu es inviter la présence de Dieu et dire: Seigneur, viens transformer ma vie. Papa du ciel, viens transformer mon quotidien. Papa du ciel, viens faire de ma petite cabane, viens faire de ma petite chambre, viens faire de mon petit salon, viens faire de ma petite vie ce lieu où tu peux tout transformer. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre,
bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Seigneur, merci pour ta présence qui vient nous transformer. Je t'invite à réaliser combien l'atmosphère qui t'entoure
combien l'espace qu'il y a dans la pièce autour de toi est habité par la présence du Seigneur. Peu importe l'espace ou la forme, Dieu est là. Dieu vient et est descendu ce soir. Il est descendu auprès de toi. Et tu peux vraiment dire maintenant dans ton cœur, ma maison est le temple de Dieu. Ma maison est le temple de Dieu. Dieu est là, chez moi. Et moi, je suis en Dieu, chez lui. Nous avons reçu plusieurs fois ce soir ce texte, vous nous l'avez partagé, en Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Seigneur, je te bénis pour ce repos que tu veux nous donner maintenant. Seigneur, je crois que maintenant tu es en train de soulager plusieurs d'entre nous d'un poids qui est là depuis longtemps. Seigneur, je crois que cette parole, elle nous est donnée ce soir pour que plusieurs soient libérés d'un fardeau, que plusieurs puissent maintenant se reposer en toi, d'une blessure, d'une séparation, d'une maladie. Seigneur, je proclame que tu es celui qui prend notre fardeau et qui nous fait simplement porter la douceur de ton amour. Je proclame, Seigneur Jésus, dans ton nom, la paix, la guérison, la liberté, le soulagement, la réconciliation dans nos vies, dans les familles, dans nos corps. Le Seigneur te dit ce soir, nous dit ce soir, en Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau léger. » Merci Seigneur pour ce repos que tu nous donnes. Tu peux te détendre ce soir dans la présence du Seigneur. Tu peux lâcher prise ce soir dans la présence du Seigneur. Dieu ne veut pas faire peser sur toi un poids trop lourd. Si tu le veux ce soir, tu peux dire oui à Jésus. Peut-être que ce soir, ce qui va te libérer, c'est de dire « Oui, Jésus, je choisis de marcher avec toi. Oui, Jésus, je choisis de regarder ma vie avec ton regard. » Peut-être que pour la première fois ce soir, tu vas dire « Oui, Jésus, je t'accepte dans ma vie et je veux connaître ta volonté. » Cette décision de dire oui à Jésus, c'est la meilleure que tu puisses prendre. Même si tu l'as déjà dit plein de fois, même si c'est la première fois et que tu as peur, n'hésite pas à dire « Oui, Jésus, je veux marcher avec toi. Je veux te laisser prendre le fardeau de ma vie et porter avec toi la bonté de ton amour pour moi. » Nous avons aussi reçu dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 15, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai jamais soif. » Je crois vraiment que le Seigneur ce soir veut venir visiter nos cœurs. Le Seigneur ce soir veut être notre repos, notre nourriture. Il veut nous désaltérer. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur de nous aimer tellement. Merci Seigneur, parce que tu viens là où nous sommes et tu changes nos vies.
Nous voulons te dire oui, Seigneur. Nous voulons venir à toi, Seigneur. Nous voulons rester près de toi, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter. Tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es. Hey.
Seigneur, merci de venir auprès de nous ce soir. Seigneur, merci parce que nous croyons que ta présence va rester avec nous tout au long de cette semaine. Seigneur, l'endroit où nous sommes n'est pas trop petit, car lorsque tu es là, nous sommes dans ta demeure, nous sommes dans ton palais, et nous sommes tes fils et tes filles de roi. Seigneur, merci de venir élargir la place qu'il y a en nous. Merci de venir élargir la place dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi pour affirmer encore notre identité de fils et de fille, et que tout au long de ces prochains jours, nous puissions toujours nous rappeler que nous sommes dans ton cœur, que nous avons une place privilégiée dans ton cœur. Nous pouvons ensemble prier le Notre Père. On peut le prier chacun dans notre langue. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous espérons que vous avez pu passer une belle soirée de louanges et de prières dans la présence du Seigneur. Je suis sûr que maintenant, chacune de vos maisons est une chapelle, est un temple, est un lieu béni de Dieu. Vous pouvez continuer à rester en communion dans la prière avec nous. Nous allons mettre à la suite du live toutes les paroles que nous avons reçues ce soir. Nous avons reçu d'autres paroles, on n'a pas pu toutes les dire, mais vraiment Dieu a donné des promesses. Vous pourrez aller lire dans Job ou dans Osée, Dieu donne des promesses d'amour, des promesses de restauration pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas à goûter à la parole de Dieu. Et on vous invite à continuer à prier avec nous tout au long de cette dernière semaine de carême, avant la semaine sainte, tous les matins à 8h avec l'office des Laudes à l'abbaye d'Hautecombe, le soir à 18h30 pour un office de louange, ou encore le jeudi soir pour l'office pour l'unité des chrétiens. Le dimanche, nous avons deux messes, une à midi avec l'abbaye d'Hautecombe et une à 19h avec la paroisse de Vincennes. Et la communauté du Chemin Neuf vous prépare une semaine sainte magnifique. Vraiment, si vous êtes déjà désolé de ne pas pouvoir fêter la semaine sainte et ni Pâques parce que vous serez chez vous, soyez rassurés, on vous prépare la possibilité d'assister à des offices de semaine sainte, la possibilité d'assister à la liturgie de Pâques d'une manière extraordinaire avec l'abbaye d'Hautecombe, l'abbaye des Dombes, différents lieux de la communauté. Pour cela, vous pouvez taper sur la petite cloche de la page YouTube du Chemin Neuf Net for God ou vous abonner à la page Instagram ou Facebook de Chemin Neuf France. Et vous allez avoir vraiment la possibilité de prier en communion avec nous. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes de prière. Vraiment, on est là pour ça. On est là pour prier. On est là pour transformer le maïs de votre vie en pop-corn. En tout cas, de demander que Dieu le fasse. Et n'oubliez pas que l'Esprit Saint peut transformer votre vie. L'Esprit Saint est là pour transformer votre quotidien. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à la semaine prochaine. À plus tard. Au revoir. Victoire à l'agneau de Dieu, il est souverain dans l'abîme et les cieux. Victoire à l'agneau de Dieu, il est souverain dans l'abîme et les cieux. Il règne l'agneau de Dieu, il règne, il règne. Trois fois saint, il règne sur nos vies et nous sommes à lui. Louange au Dieu trois fois saint, il règne sur nos vies et nous sommes à lui. Il règne.
Dieu, il règne. Il règne, oh, il règne dans les cieux. L'agneau de Dieu. Hommage à l'Éternel vivant. Nous chantons sa victoire, nous célébrons sa gloire. Hommage à l'Éternel vivant, nous chantons sa victoire, nous célébrons sa gloire. Il règne. Seul et saint, agneau de Dieu, tu as livré ta vie, alléluia. Toi seul et saint.